Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un lieu qui se trouve à côté de Samadé, dont vous pouvez voir une statue où c'est marqué Sainte Rose. Voilà. En fait, je connaissais pas ce lieu. Et au final, c'est par pur hasard lorsqu'on est passé devant. Je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant d'aller voir ce que c'est. Et au final, ceci là, ce que vous voyez là, c'est une chapelle. C'est une chapelle qui se trouve à Samadé. Sainte Rose, dont l'origine se perd à la nuit des temps. Elle est surmontée d'une croix qui porte à la date de 1853. Donc on se demande si c'est la date de construction ou quoi, on ne sait pas en fait. Voilà. La tradition, elle veut que cette petite chapelle de forme ovale située dans les bas-fonds de Marin, à l'ouest du village, ait été construite par un Basque en reconnaissance de sa guérison. Berger revenu du Pérou, Sainte Rose de Lima, voilà, d'où le nom. Donc il existe d'autres légendes concernant les origines de cette chapelle et de son pèlerinage. Une autre légende attribue sa construction à un propriétaire de Marin sur la colline à l'époque du siècle dernier. Des mendiants couraient la campagne d'un devin à la maison de Marin, demandaient la charité. La servante du propriétaire l'accueillit et le fit attendre un instant, tandis qu'elle revenait avec des pommes de terre dans son tablier, son maître survint. Celui-ci lui dit « Qu'avez-vous là dans votre tablier ?»« Des roses », répond la servante. Montrez, effectivement, il y avait des roses. Cet homme en fut bouleversé et se convertit et fit construire la chapelle à laquelle il ne pouvait donner d'autre nom que Sainte Rose. Il y a aussi une troisième légende, nous dit qu'un jour, une enfant de chez Marin était venue se promener dans les bois, n'étant pas rentrée la nuit tombée, ses parents la cherchèrent en vain. On la retrouva plus tard endormie à cet endroit, un bouquet de roses à la main, elle s'appelait Rose. Une source dont les eaux ne tarissent jamais coule près de la chapelle. De nombreux témoignages en font foi, les eaux de la fontaine Sainte-Rose ont une vertu particulière pour guérir le mal dit Mou Darouzès, peut-être inflammation au bouton blanc, à la peau gercée rouge qui se manifeste à la figure, aux mains et parfois sur le corps. Chaque année, normalement, les mamans viennent avec leur bébé et lorsqu'ils ont de l'eczéma, des boutons, des choses comme ça, mais ils viennent dans l'eau là, que je vais vous faire montrer après. Et ça leur enlève justement l'eczéma. Voilà, donc là il y a une petite truc comme ça là. Voilà, et à l'intérieur, on peut y voir au fond. Je vais éviter de toucher parce que derrière quoi, j'ai coupé le son. Voilà, on peut y voir au fond des pièces. Voilà, il y a des pièces au fond, donc je ne sais pas si ça porte bonheur ou pas. Donc je vais vous amener à l'eau en question. Voilà, donc c'est assez joli, hein, c'est assez reculé. Voilà. En fait, on peut y accéder en voiture, il n'y a pas de problème. Et vous avez quelques pas à faire, en fait, hein, pour aller jusqu'à la chapelle. Voilà, une chapelle qui a été construite comme ça. Voilà. Donc sur ma chaîne, je mets un peu de tout. Et je trouve ça intéressant de vous faire montrer aussi des choses qui se trouvent dans le coin. Voilà. Là, il y a une croix, ici, là. Voilà. Et là, il y a des jolies fleurs. Vous me direz en commentaire le nom. Parce que personnellement, en fleurs, j'y connais que dalle. Voilà. Et voici cette eau. Voilà. Voici cette eau en question.
Donc il dit que si vous vous aspergez de cette eau sur la figure ou sur les bras, lorsque vous avez des boutons, des choses comme ça, bah, ça vous fait enlever justement les boutons. Voilà, donc c'est une eau miraculeuse. Vous voyez, un peu comme l'eau de Lourdes, voilà. À part que celui-ci, c'est pour les boutons. Voilà, l'eczéma et choses comme ça. Voilà. Donc tapez Samadé. Vous tapez Samadé sur Google Maps. Et ou bien même sur Google, hein, vous allez sûrement trouver. Et vous tapez Sainte Rose. Voilà, comme c'est marqué. Sainte Rose. Voilà. Donc vous allez trouver de suite. Voilà, voilà, voilà. Donc si ça vous plaît que je vous fasse des vidéos comme ça, d'endroits que je peux trouver. Et si ça vous plaît, eh ben, écoutez, dites-le moi en commentaire. Et puis de temps en temps, si je trouve, eh bien, je vais vous faire une petite vidéo comme maintenant. Voilà. La chapelle Sainte-Rose. À bientôt les amis. Non, non.